compatriotes congolais. Avant de progresser dans ce message traditionnel de fin d'année, je voudrais en liminaire vous rappeler d'abord ce qui suit. Que depuis le 26 novembre 1996, la République a démocratisé du Congo, alors Zaïre fut l'objet d'une invasion militaire rwandaise. Ici, il faut que l'on insiste sur cet état de fait, car selon l'article 42 du règlement de la Haye de 1907, un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. C'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui au Congo. Qu'on ne vous mente pas, l'actuel président Félix Tshilombo n'a ni impérium politique, diplomatique, et moins encore militaire et sécuritaire. Et par conséquent, il ne peut protéger personne. Les 85 millions de Congolais sont à la merci des occupants tueurs, Tutsi, Rwandais et Ougandais, qui ont le droit de vie et de mort sur eux. Que la planification de l'occupation de la République a démocratisé du Congo a été organisée par le Rwanda depuis Kigali. Sa concrétisation a été consacrée le 23 octobre 1996 par un groupuscule d'individus réunis sous le label de AFDEL, dirigé par l'armée du Rwanda. On le perçoit clairement ici que les motivations du Rwanda était d'occuper le territoire du Congo et de faire main basse sur nos immenses richesses. Qu'en plus d'occupation politique et militaire, nous assistons à un lent processus de balkanisation planifié par les racistes de la communauté mafieuse occidentale. Chers compatriotes congolais, l'année 2019 s'éclipse avec sa longue liste de faits macabres et de désagréments pour notre peuple, et nous voici en 2020. Cette transition est donc l'occasion de formuler les vœux à la nation pour un meilleur futur. Mais avant de sacrifier à cette obligation patriotique, je voudrais rappeler un fait capital. Notre pays est en guerre. Nous sommes en guerre. Une guerre d'agression. Une guerre d'occupation. Une guerre de prédation. Et surtout, une guerre qui vise à liquider notre patrie et qui a occasionné plus de 12 millions de morts. Un génocide que le Conseil national de la résistance congolaise a dernièrement mis en exergue dans le cadre de la conférence sur les génocides du peuple congolais que nous avons initiée et qui s'est tenue du 2 au 3 novembre 2019 à Nuremberg, en Allemagne, lieu hautement symbolique. Ainsi, j'en appelle vivement à chacun de nous de ne pas l'oublier. Chers compatriotes, en temps de guerre, donc, les seuls vœux qui vaillent, c'est de vaincre l'ennemi et de crier victoire. Chers compatriotes congolais, comme les autres années qui l'ont précédé,
2019 s'est distingué par l'opprobre pour le peuple congolais. On se souviendra de la date du 24 janvier qui a vu le peuple congolais assister médusé à l'infecte comédie pompeusement nommée passation pacifique du pouvoir entre alias Joseph Kabila et alias Félix Tshisekedi, deux imposteurs désormais alliés du complot contre notre peuple. L'on se souviendra à jamais de la date du 24 janvier 2019, où la population quinoise, hypnotisée, assistait hagard à la cérémonie méphistophélique de la haute trahison au sommet de l'État, lorsque un fils du pays s'y est fait investir frauduleusement comme président de la République suite à un deal satanique signé entre ce dernier et son prédécesseur, réputé bourreau du peuple congolais et qui tient encore mordicus les manettes du pouvoir. Les faits sont éloquents. Eh oui, l'année 2019 jette ainsi l'encre avec son sempiternel lot de misères et de misères noires pour le peuple congolais, de massacres à grande échelle de nos populations à l'est de la République, des détournements scandaleux à coups de millions de dollars américains, causant ainsi la paupérisation de notre peuple, lequel demeure encore et toujours assujetti et avili, et ce durant deux décennies. Souvenez-vous, peuple congolais, de cette formule lapidaire lancée par la résistance combattante pour fustiger l'escroquerie politique électorale du 24 janvier. Avant le 24 janvier 2019, égal après le 24 janvier 2019. En clair, rien n'a changé. Qui dit mieux? Chers compatriotes congolais, en cette période de fête de fin d'année, celui qui se fait appeler président de la République, ainsi que les politiciens qui siègent dans les institutions illégitimes et qui collaborent avec l'occupant, sont des collabos. Demain, à la libération, ils seront jugés et condamnés comme tels. Les princes des églises et autres pasteurs des églises dites de réveil ou de sommeil, y compris des prédateurs, AG, PDG, PCA, etc., et autres qui trônent dans les conseils de direction des entreprises étatiques et para-étatiques et qui affichent l'opulence insolente pendant que le peuple congolais croupit dans la misère. Et aussi seront arrêtés et jugés pour faits de collaboration et d'intelligence avec les ennemis de notre pays. Comment peut-on expliquer, peuple congolais, ce paradoxe? Alors que ces nantis vivent dans la démesure, les Congolais manquent de tout. Ils vivent d'expédients. Pas la moindre pitance pour se la mettre sous la dent. Alors que le Congo est qualifié de scandale géologique, de mamelle où ruisselle le lait intarissable qui nourrit d'autres peuples du monde et pas nos propres enfants. C'est inacceptable. Chers compatriotes congolais, compte tenu de ce qui précède et à l'aune de 60 ans de l'indépendance de notre pays, qui arrive très bientôt, le 30 juin 2020 prochain, il revient à nous, Congolais zaïrois, de faire une table rase, une catharsis
sur les différentes péripéties de 6 décennies passées, de diagnostiquer de manière exhaustive, sans aucune once de complaisance, en tirer les leçons qui vaillent afin d'amorcer l'envol et de baliser le futur de notre pays pour les 60 prochaines années. Pour l'heure, le Conseil national de la résistance congolaise donne priorité à la libération totale de notre pays, car, comme je l'avais rappelé plus haut, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, ne l'oublions pas un seul instant. Et nous devons absolument sortir victorieux dans cette guerre contre des extrémistes génocidaires, tueurs, Tutsis, Rwandais et Ougandais. Et ensuite, refonder notre pays et faire de lui une puissance redoutable au cœur de l'Afrique pour notre sécurité et la sécurité de nos futures générations. Les circonstances actuelles et le pragmatisme politique recommandent l'unité au sein de la résistance combattante pour accélérer le processus de libération nationale en s'appuyant sur les 7 mesures proposées par M. Honoré Mbanda. D'autres recettes possibles seront les bienvenues. Dans ce registre, on doit absolument se référer sur l'histoire de la France sous l'occupation allemande nazie. À la libération, le général de Gaulle, aidé par la résistance avec Jean Moulin et les forces alliées, avait mis en place un gouvernement provisoire dit de libération nationale, jouissant de l'effectivité populaire. C'est pourquoi je souhaite avoir une concertation inclusive des forces de la résistance intérieure et extérieure congolaise qui devra consolider la dynamique révolutionnaire d'un Conseil national de la résistance congolaise rénové, lequel pourrait déboucher sur un projet d'un gouvernement de libération nationale adapté à notre réalité, porteur et dépositaire des aspirations profondes du peuple congolais. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Ingeta, fait à Lausanne, pour le Conseil national de la résistance congolaise, Paul Kaoumbu Toumba Kabamba, coordonnateur général. Je vous remercie.